Excuse-moi. Oui? Le cours d'espagnol, salle 17, tu sais où c'est? Oui, c'est... Tu vends des encyclopédies? Eh, on dirait le prof remplaçant. Silence, s'il vous plaît. Je suis monsieur Abagnel. Oh. Abagnel. Pas Abagnal, pas Abagnalé, mais Abagnel. Voulez-vous me dire à quel chapitre vous en étiez, s'il vous plaît? Je vous préviens, si je dois répéter la question, toute la classe sera consignée. Veuillez vous asseoir. Chapitre 7. Veuillez ouvrir votre livre au chapitre 8, on va commencer. Excusez-moi, quel est votre nom? Brad. Brad, vous allez vous mettre face à la classe et vous lisez la conversation numéro 5. Los españoles son amantes de alegría y fiesta rico o pobre l'Agustina las... On va téléphoner. Il leur fallait un remplaçant pour Roberta. Je viens de loin, j'habite Dixon. Mais je remplace toujours Roberta. J'écoute, pourquoi vous ne lisez pas? Las apariencias... Je ne reviendrai plus à Abelarmine Jefferson. Ça, non. Dites-leur de ne plus m'appeler. Qu'est-ce qu'ils croient que c'est facile pour une femme de mon âge, sans compter tout l'argent que j'ai dépensé pour venir, et ça, c'est beaucoup d'ailleurs aussi. Monsieur et madame Abagnel, ce n'est pas une question d'assiduité en classe. J'ai le regret de vous informer qu'au cours de la semaine passée, Franck a enseigné l'espagnol aux élèves de madame Glaser. Il a fait quoi? Votre fils s'est fait passer pour un professeur remplaçant. Il leur a fait cours, il leur a donné des devoirs. Madame Glaser était souffrante et il y a eu confusion avec la vraie remplaçante. Votre fils a tenu une réunion de parents d'élèves avant-hier et il a annoncé à la classe qu'elle irait voir un spectacle de flamenco dans le cadre des sorties scolaires. Vous voyez le problème que nous avons. J'espère que vous comprendrez. Mon patron m'a envoyé à Brooklyn, puis dans le Queens. Maintenant, il m'envoie à Long Island faire la tournée des Grands-Ducs à des clients. Je suis désolée, mais je n'ai pas le droit d'encaisser un chèque d'une autre banque. Comment saurions-nous si les... Quel est votre prénom, déjà? Ashley. Ashley. Devinez ce que j'ai trouvé sur le trottoir devant la banque. Il a dû glisser de votre cou. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, jeune homme? Oui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère la semaine prochaine et je veux lui faire un très beau cadeau. S'il vous plaît, j'ai un examen dans 8 jours et on m'a volé mes livres. Mais ce n'est que 5 $, personne ne saura. Je suis désolée, mais on n'a pas le droit d'accepter des chèques de personnes qu'on ne connaît pas. Vous avez vu ça, Angelo? On a une belle collection de boîtes à loulous aujourd'hui. Je ne savais pas comment m'en débarrasser. Qu'est-ce que tu veux, voilà? Tu peux avoir un autographe? Oui, bien sûr. Moi aussi, je peux en avoir un? Et tu veux être pilote? Oui. Et voilà. Tiens, petit, travaille bien à l'école. Cher papa, j'ai décidé de devenir pilote de ligne. J'ai écrit à toutes les grandes compagnies aériennes et j'ai plusieurs rendez-vous très prometteurs. Comment va maman? Tu l'as appelée dernièrement? Je t'embrasse fort, ton fils, Franck. Oui, il est parti 2 jours. Il revient quand? Je sais pas.
Bonjour. Je m'appelle Frank Black. Je suis élève au lycée Meurot. J'ai rendez-vous avec Monsieur Morgan. Vous êtes le jeune homme qui écrit un article pour le journal de l'école? Oui, madame, c'est moi. Je veux tout savoir sur le métier de pilote. Quels aéroports l'apaname dessert-elle? Et combien un pilote gagne-t-il par an? Qui lui dit quel vol il doit assurer? Oh, pas si vite. Une seule à la fois. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, quand un pilote dit à un autre pilote, sur quel genre de machine êtes-vous? Ah, il lui demande sur quel avion il vole. DC-8, 707, Constellation... Et cette petite carte plastifiée que portent les pilotes, c'est quoi? Eh bien, un pilote doit avoir en permanence deux choses sur lui. Le badge de la compagnie pour laquelle il travaille, comme celui-ci, de la Paname, et sa licence de pilote qui l'autorise à voler. Et voilà à quoi ça ressemble. Oh. Je pourrais en faire une photocopie pour mon article? Ah, oh, c'est pas la peine. Garde-la, elle est expirée depuis 3 ans. Oh, c'est gentil. FBI! FBI! Sortez de la salle de bain! Sortez de la salle de bain! Main sur la tête! Vous avez vu, c'est la toute nouvelle IBM électrique. Mettez les mains sur on la tête. On change le type de caractère en 2 secondes. La ferme. En changeant la boule. Mettez les mains sur la tête. Mettez les mains. Incroyable, il y a plus de 200 chèques ici. 4 main litres d'encre de chine, tête. De la colle et même des enveloppes de chèques de paye de la Paname qui portent. Posez ça. Lâchez ça. Calme. Vous êtes en retard, d'accord? Je m'appelle Allen, Barry Allen, service secret des États-Unis. Votre homme a tenté de s'enfuir en sautant par la fenêtre. Mon collègue le garde en bas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Quoi? Vous croyez que le FBI est le seul sur cette affaire? Enfin, voyons. Il falsifie des chèques de l'administration. Il en sème partout. On le suit à la trace depuis des mois. Et s'il vous plaît, vous voulez bien arrêter de pointer ce revolver sur moi? Ça me rend nerveux. Montrez-moi votre carte. Oui, bien sûr. Voici mon portefeuille. Vous voulez mon arme aussi? Non, mais allez-y, venez la prendre. Regardez, faites-moi plaisir. Jetez un coup d'œil par la fenêtre. Regardez dehors. Mon collègue est en train de l'emmener à la voiture. Regardez. Il a failli pisser dans son phoque quand j'ai débarqué dans la chambre. Il a enjambé la fenêtre et il a atterri sur le capot de ma voiture. Hé, Murphy! Oui? Appelle le poste de police. Je veux pas que des gens pénètrent sur les lieux de l'arrestation. Je savais pas que les services secrets étaient sur le coup. N'en parlons plus. Comment vous vous appelez? Andrati. Karl Andrati. Je peux voir votre pièce d'identité? Bien sûr. Excusez-moi, mais on n'est jamais trop prudent de nos jours. Eh ben, c'est pas de chance. 5 minutes plus tôt, et vous pouviez vous vanter d'avoir fait une belle prise. C'est pas grave. 10 secondes plus tard, je vous descendais. Je peux vous accompagner à la voiture? Il faut que je voie à quelle tête il a. Bien sûr, mais attendez-moi ici juste une minute, le temps que je descende les pièces à conviction. Je n'ai pas envie qu'une femme de chambre vienne faire le ménage. La police ne devrait plus tarder. Attendez! Votre portefeuille? Je le récupérerai tout à l'heure. J'ai confiance. Je suis médecin. Cher papa, j'ai décidé d'arrêter de voler pendant quelque temps. J'ai trouvé un travail de nuit dans un hôpital et j'ai rencontré des gens vraiment très sympas. Ça fait du bien de retrouver la terre ferme, de se réveiller tous les jours dans le même lit. Et peut-être même que je trouverai quelqu'un qui partagera ma vie. Sait-on jamais. Fac de médecine de Harvard, reçu premier.
hôpital pour enfants de Californie. C'est un curriculum impressionnant, Dr. Connors. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai besoin que d'un responsable de l'équipe de garde aux urgences entre minuit et 8 heures du matin. Quelqu'un pour materner 6 internés, 20 infirmières. Mais je doute fort que ce poste vous intéresse. Eh bien, on m'a toujours laissé choisir mes infirmières jusqu'à présent. Docteur Connelly. Docteur Harris. Présent. Docteur Ashland. Docteur Connors, vous ferez l'appel tous les soirs? Mais bien sûr, Docteur Ashland. Et si vous êtes en retard, j'exige un mot de vos parents. Mademoiselle Bassman, Mademoiselle Miles, Mademoiselle Strong. Oui. Infirmière Brown. Infirmière Sanford. Présente. 30 mg de codéine toutes les 4 heures. Réglez le plasma sur 60 gouttes par minute en attendant qu'on calcule ses besoins liquidiens. À combien estimez-vous le degré et l'étendue des brûlures, Kitter? Deuxième et troisième degré sur environ 20% de la surface du corps. Vous confirmez? Je confirme. Montons-le en pédiatrie. Bonjour, Brenda. Bonjour, Docteur Connor. Vous devez signer ça. Merci. Vous ne voyez rien qui ait changé chez moi, On docteur. Vous a enlevé votre appareil. Oui. Allez, venez, que je vous J'ai essayé de vous le montrer toute la nuit. Waouh. Excellent travail. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de ne plus la voir? Moi, ça m'a fait tout drôle après. Je me passe sans arrêt la langue sur les dents, j'arrête pas. Elles sont tellement lisses. C'est agréable. Oui, c'est incroyable. Eh bien... Je suis désolée. Docteur Connors, aux urgences. Docteur Connors, aux urgences. Vous n'y allez pas. Non. Non, non. Il y a un médecin au service des urgences. On ne sera pas dérangé. S'il est en chirurgie. Vous croyez que je dois y aller? Oh, Docteur Connors, venez. On va faire un jeune François. Descendez-le en radiologie. Et voilà, reposez-vous sur lui. Très bien, docteur. Ça va aller. Messieurs, quel problème avons-nous? Accident de vélo. Fracture du tibia à environ 12 cm de la rotule. Docteur Harris. Oui. Vous confirmez? Confirmez quoi, monsieur? Ce que le docteur Ashland vient de dire, vous confirmez? Ah, et oui, c'est un accident de vélo. C'est ce que l'enfant nous a dit. Alors vous confirmez? Confirmez? Je crois qu'il faut faire une radio, puis suturer la plaie. Et poser un plâtre de marche. Ne bouge pas, monsieur. Docteur Panther en cardiologie. Excellent, docteur Ashland, excellent. Bien, je vois que vous pouvez vous passer de moi. Continuez. J'ai fait une bourde, hein? Pourquoi j'ai pas confirmé?